36K. Catch up 11K, catch up 10K, catch up 9K. About to go green, stay focused. Green, green, green. Right side. Clear on the right. Left side. Keep to the right. Clear on the left. Ah, il y a un sixième pour Roma, c'est très bien, on a gagné une place. On a fait un petit gap, hein. Il y a une seconde 7 avec le poursuivant, une seconde 6 quoi.
You got a slow car on the right. Ça revient fort derrière. Left side. Keep to the right. Clear. Putain, je m'arrête, il faut quand même qu'il me touche, bordel. Grand chose ou pas, niveau dégâts. J'ai quand même un x4. Hein. Ça a bien tapé quoi. Right side. Clear. Right side. Clear. Ça a l'air d'aller. Thank you.
right side. Clear. Car right. Clear. C'était pas évident là. C'était pas évident. Left side. Clear. Right side. Clear on the right. Car on your left. Clear. Car on your left. Clear on the left. Right side. Clear on the right. On s'est fait lâcher par le top 5 là qui a 6 secondes, mais pour le moment on n'est pas si mal.
Gérer là les plaideurs car il y a un groupe. Car stop on the left. Car right. Clear on the right. Slow car ahead. Left side. Clear. Left side. You're on the left. Callum, you must lag.
Car right. Clear on the right. Car right. Clear on the right. J'ai cru qu'il allait me toucher lui. Sorry Carlos, the guy will not meant to be that far, sorry. Valero, ¿a
right side. Clear on the right. Bienvenue sur la chaîne Nitram. Bienvenue à toi. J'ai lui dernier moment quoi, j'avais un peu anticipé mais heureusement. Kevin a recollé derrière.
Alors le nom me dit quelque chose, hein. Elgen Novel. Il me semble que c'est un pilote de course de côte. En Suisse ou en Allemagne. En Suisse plutôt, je dirais, mais... J'ai pas la certitude. That car is a lap down. C'est un retardataire devant. Yes, les conditions de course sont sympas, une trame. Ça a failli être le drame là, la P1 est surexcitée. Il a touché la Porsche à l'extérieur là. Il a failli revenir sur moi, je l'ai vu heureusement. Ça aurait pu mal se finir quoi.
Je sais pas, Nitram, peut-être une question de développement, je pense. Je pense que ça arrivera un jour, mais ils veulent mettre un truc au top, je pense. J'ai pas d'explication concrète, quoi. Putain de PN, c'est pas possible ça. Oliver Brandt là, il s'est jeté, pareil, j'ai dû rester à l'extérieur. Heureusement, j'anticipe un peu à chaque fois. De rien. Allez, il reste 20 minutes de course, on va pas tarder à pit. Allez, on s'arrête maintenant. On va pouvoir une question de trafic de P2. Et Kevin a fait pareil derrière. 3 secondes optionnel, ça va, j'ai rien. Go. C'est bon, j'ai le champ libre pour le moment, donc ça devrait être payé quand même. Bonsoir monsieur. Salut Franck. Est-ce que tu peux me switcher? Je suis en course, je viens vous voir juste après. Je te switch.
bon, l'écart avec Kevin se porte à 4 secondes maintenant, c'est pas mal. Bon, ça a rien à voir avec hier, hein, la... enfin avec Aventure, pardon, la course. Allez, 10 tours. P1 et P2 ils font peur là, ceux qui sont dans les derniers rangs. Ils sont vraiment pas faciles.
Les amis, on a gagné une place, on est 5ème. Par rapport à avant qu'on s'arrête. Je crois que c'est Kaloum, hein, celui qui laguait, qui a. Qui. Soit est derrière, soit il est plus, je vois pas dans le classement. Le 6ème est à 7 secondes 2 avec Yuka. Un adversaire qu'on retrouve souvent en. On retrouve souvent en endurance le samedi matin. Allez, 10 minutes, 7 tours. On a fait que deux off-track, c'est pas mal. Bon, il y a les 4 rings du contact avec Slabem qui a fait une tête à queue devant moi, mais. Ah, le Kaloum est 7ème là, donc on a bien eu à l'undercut. Il a juste passé quelque chose, je pense, dans le trafic quand même. Il y a 12 secondes. Quand on a ravitaillé, je crois qu'il était à 4 ou 5 secondes devant. Et bon, vu ces lags, sans arrêt. Right side, clear.
track de plus. Comment ça va être dur là avec les pneus. Clear on the right. Allez, 4 tours. Right side. Clear. C'est un fou furieux, hein. Ça se pose pas de questions, je sais pas. Là c'était propre, hein, mais je le vois dans son pilotage que c'est à la limite à chaque fois, quoi. Ça a l'air de payer parce qu'il est premier, loin devant, deuxième qui nous double maintenant, TX3. Right side. Clear on the right. Deuxième et troisième, par contre, ça va être la guerre pendant la course, pendant la fin. Ça ne sert à rien. Je suis mécontent qu'il m'ait doublé dans une droite. Poursuivant est à 10 secondes, je pense que notre top 5 est scellé si on n'a pas d'ennemis. Oula, c'est passé un truc entre Yukala et Kalum, je pense. Kalum est toujours à 10 secondes, mais Yuka est à 16. Devant, ils se battent à rien, 3 et 4, ils sont à 12 secondes tous les deux. Là j'ai les pneus rincés, heureusement il reste que 2 tours.
You've got about 2 laps of fuel. Allez, dernier tour. Trafic de PN qui arrive là, faut attention, il y en a moins de 3. On va passer la ligne droite, c'est bien. Yes, top 5, parfait. Patrick, did you have damage in the end? Well, true. There's the flag, it's over. Okay, I know. We'll get him next. Ah, là, je suis content de ma course. The race is one round longer, you have the position. Vraiment, vraiment content de ma nice course. Nice drive, Alex, nice drive. Thank you for this last intense round. Bertrand qui finit 8ème. Là je suis content de ma course, pas eu d'ennui, j'ai bien roulé. Allez, on va aller voir le résultat. Normalement, je retrouve les 2500 de rating que j'avais perdu avant-hier. Je vais vous remettre la page. Du coup. Top 5. On prend 50 de rating et on prend 0,05 de S1 et puis surtout on fait sauter un des comptes au championnat qui va me faire gagner quelques places, je pense. Parce qu'au lieu de
attendez, je regarde. Ça va être rapide. Ouais, au lieu de 79 points, je vais me prendre 114, donc c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, moi je vais arrêter sur ça, je pense. Je reviendrai ce soir, je pense, faire la course de NASCAR à 23h45. Allez, merci d'être venu et je vous dis à plus. Tchuss, tchuss.